Hey, t'as été le voir, pourquoi pas moi? T'es fou, j'ai pas été le voir, c'est un film français. Et alors, il y a des films français qui sentaient bien quand même, hein. Ah bon, et lequel? Bah, par exemple, un exemple, Rocky 4. Voilà, L'Arme fatale numéro 2. Tout ça, je les ai vus en français, c'était bien. Mais elle est vraiment, vraiment bien, pourquoi pas moi? Moi, j'ai bien aimé. C'est l'histoire d'une jeune bande de jeunes qui vont apprendre à leurs parents qui sont soit des PD, soit des gawins. Comment ça, des gawins? L'animal? Mais non, j'ai dit gawin, j'ai pas dit guenon. Tu vois, j'ai pas parlé de la femme du singe. Gawin, c'est quand, par exemple, t'as une femme qui fait des hum hum avec une autre femme. On dit c'est une gawin. C'est vrai. Ouais, je te jure. Et à un moment donné, ils vont apprendre à leurs parents qui sont soit des homosexuels, soit des femmes homosexuelles, tu vois. Et il y a Johnny Hallyday qui joue dans le film, c'est bien. Hein, Johnny Hallyday joue le rôle d'un PD? Non, il joue pas le rôle. Enfin, ouais, au début, il devait jouer le rôle d'un PD. Mais comme il n'y a aucun acteur qui a accepté de par Johnny Hallyday, eh ben, ils ont décidé de le faire un rôle d'un Torrenador. Hein. Aldi. Enfin, si, il y a bien des écrivains qui a dit oui, mais Johnny Hallyday, il a dit ça va pas ou pas. Au début, je savais pas que ça existait, PD. J'ai cru que c'était un gros mot au début. Moi aussi, je croyais que c'était une insulte, PD, je te jure. Quand on me disait dans la rue, hé, hey, espèce de PD sexuel, hop, direct, ça a commencé la bagarre. Moi aussi, je savais pas. Moi, je savais très bien ce que ça voulait dire. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Eh, mais moi, j'ai rien contre les PD, hein. Je te respecte, moi, je suis d'accord pour le Pax. Le Pax SFR? Mais non, le Pax Homo. Ah, celui où il y a la messagerie gratuite? Voilà, c'est lequel de la messagerie gratuite, c'est bien. Pour le mariage homo, moi, je trouve ça normal, hein, du moment qu'ils se marient entre eux. Ce que je trouverais pas ça normal, c'est si par exemple ils se marient avec nos meufs. Là, j'ai dit non. Moi, ouais, ce qui est pas normal, par exemple, c'est quand t'as Pierre Palmade qui se marie avec Véronique Sanson, ça c'est relou. Ah, ça c'est relou, ça. Ah, ça c'est très très relou, hein. Ouais. Ah, bien sûr. Et en plus, déjà que ça va pas très bien à une meuf, la robe de mariée, j'ose même pas penser à un garçon. C'est cassé, là. En tout cas, moi, je trouve que dans le show business, il y en a beaucoup d'homo. Hein. Ah, bien sûr. Je te jure, parce que moi, avant que je bossais dans la menuiserie, il y en avait pas, on s'amusait pas. C'est vrai? T'imagines, tu dois dire à ton père que t'es pédé. Ah, tu vas où? Peut-être que mon père, il a entendu. Putain, j'ose même pas imaginer à mon père. J'arrive même pas à imaginer dire à mon père que je suis pédé. Je crois que je serai le premier Marocain à aller dans l'espace. Et sans besoin de fusée en plus. Enfin, calme-toi, Jamel, on va l'annoncer tranquillement à ton père. Hein, on va prendre une douche avant. Alors, je te dis! Non, arrête, tu vas le dire à qui? Ça va pas ou pas? Reviens! Ça, par là. Hey, mais je touche pas mon fesse. Hey, je suis pas dans le chemise, moi. Oh.